suis encore brûlé. Ça m'étonne qu'elle marche encore après tant d'années. Ça a probablement été mis en circulation au Japon au milieu du 19e siècle. Un bunker. Seconde guerre mondiale. Probablement japonais.
vingtaine. Des femmes. Père Mathias en a pris une. Pour le rituel ? Sûrement. On verra bien ce soir. Attention, c'est rempli d'essence. Ah ouais. Sans déconner. Pourquoi ils ont besoin de ça? Pour le générateur, pour la tour. Et comment on va faire pour monter tout ça? Bonne question. On n'a qu'à le laisser là pour le moment. On va demander aux autres de venir nous filer un coup. Ça me va. Besoin de renfort. Personne ne part. Thank you.
Va en enfer. Rapport d'expédition. Malgré la perte de deux cargos provoqués par de puissantes tempêtes, l'expédition a accosté. Nous avons établi un centre de communication dans la montagne et commencé la construction d'une base côtière. Nos premières études ont révélé plusieurs sites de fouilles potentiels. Cette île est beaucoup plus grande que nous le pensions et abrite des siècles de vestiges historiques. Identifier la cause des tempêtes sera un travail long et difficile. Mais si nous y parvenons, notre victoire dans cette guerre sera assurée. Maintenant, allumez-la ! Le père Mathias nous libérera. De quoi ? De cette île ?
Alex, tu es là? Oui. La console est fichue. Merde. Bon, alors il va falloir passer au plan B. Tu vas devoir brancher l'émetteur directement sur le panneau de maintenance. Ok. Ça a l'air plutôt faisable. Ouais, mais... Et il va déjà falloir que tu le trouves. Sur ces vieilles tours, ces panneaux sont installés en haut. Enfin... du genre... tout en haut. Encore de l'escalade. Génial. J'espère que ça marchera après tout ça. C'est pas normal. Ils sont...
formation militaire. Je ne reconnais pas ce kanji. Est-ce qu'elle date de la Seconde Guerre mondiale ? Octobre 1990. Au fil des années, d'autres naufragés sont arrivés. Mais je les ai évités. Et quand par malheur ils ont croisé mon chemin, je les ai éliminés. Mais à présent, je sais que j'ai besoin des autres. Je ne pourrai progresser qu'en prenant le contrôle total de l'île. Je vais rassembler un groupe de disciples loyaux. Ils devront accepter mon pouvoir et se soumettre à mes ordres. Mais surtout, ils ne devront pas hésiter à tuer. Cela fera désormais partie de leur vie. Je leur fournirai un cadre, un objectif et du travail. Et quand cette île sera à moi, je découvrirai le véritable secret des tempêtes.
l'insigne accordé aux fusiliers de seconde classe de l'armée impériale japonaise. Oh, un kanji gravé à moitié effacé. Peut-être un nom ? Septembre 1982. Un plan commence à prendre forme dans mon esprit. Pour contrôler le pouvoir de cette île, je dois d'abord comprendre son histoire. J'ai besoin de temps et de place pour étudier cet endroit. Il y a tant de mystères ici, à commencer par les vestiges d'un ancien empire japonais et d'une mystérieuse reine. Cette reine est la clé, c'est certain. C'est parti. De l'émetteur. Ok. Ensuite, trouve le canal d'urgence et essaie d'avoir un signal clair sur ta radio avant de diffuser le SOS. Hé.
sais qu'on croise tous les doigts pour toi ici. Merci. Veuillez indiquer un état de la situation. Mayday, Mayday. Ici Lara Croft, de l'Endurance. Nous avons fait naufrage sur une île dans le Triangle du Dragon. Nous avons besoin d'aide en urgence, répondez. Répondez, allez. Mayday, Mayday, ici Lara Croft, de l'Endurance. Ici l'avion November 177 Alpha. Nous cherchons depuis le signal de détresse lancé de votre navire. Vous commencez à perdre espoir. Nous aussi. On a votre position approximative, mais il nous faudrait un signal visuel. Ok. Je peux faire ça pour vous. On se dirige vers vous. Ah, Lara Croft, t'es incroyable. Hé, hey, Reyes a même esquissé un sourire. Descendre. Cuve d'essence. Ça devrait marcher. Oh.
pilote. Je dois le retrouver. Chasser cette idée dans l'esprit. Une tempête venue de nulle part qui provoque un crash d'avion. C'est pas rationnel. Tu sais que ce n'est pas rationnel, Lara. Il y a forcément une explication. Mais je n'ai aucune idée de ce que ça peut être. C'est de ma faute. J'aurais dû observer le ciel. J'aurais dû choisir un autre endroit pour l'atterrissage. J'ai pas fait assez attention. Et maintenant, ils sont morts. Qu'est-ce qui s'est passé? Cette tempête, elle est sortie nulle part. Ces nuages, ils ont comme encerclé l'avion. Écoute, Lara, j'ai vu le crash de là où je suis, donc tu ne dois pas être loin de ma position. Viens te mettre à l'abri. D'accord. J'arrive. Par ici! La proie, Robert! Enculé!
Il doit y avoir un moyen de monter. Ça semble un bon endroit pour s'accrocher. Content de te voir. Je peux en dire autant. Tout se passait très bien et puis il y a eu cette tempête. Elle est venue de nulle part. Ce n'est pas de ta faute, Lara. C'est moi qui les ai fait venir, Ross. Hé, hey, on trouvera un moyen. Mayday, Mayday, ici le copilote Jessop de l'avion November 177 Alpha. Allô? Allô? Vous m'entendez? Je me suis blessé en atterrissant, j'ai besoin d'aide. Y a quelqu'un? Capitaine Jessop, vous m'entendez? J'ai envoyé un fumigène, répondez. C'est pas vrai, il m'entend pas. Je vais à sa rencontre. Non. Son signal est par là. Nous devons d'abord aider nos compagnons.
Il faut qu'on se regroupe dès qu'ils auront trouvé Sam. Je peux pas le laisser tout seul là-bas. Je dois lui venir en aide. Parfois, il faut faire des sacrifices, Lara. Tu ne peux pas sauver tout le monde. Je sais. Je connais les sacrifices. Non. Tu connais la mort. Un sacrifice, c'est un choix que tu fais. La mort, c'est elle qui te choisit. Je ne choisirai pas de le laisser mourir, Ross.